Ok, c'est bon, c'est reparti, allez. Ok, télécharger les données du serveur. C'est bon, Clara, j'y suis. Tu vas bientôt recevoir des trucs. Oui, je le vois. Ça commence à arriver. Simone se mettra sur le décryptage une fois que le transfert sera terminé. C'est vraiment con comme téléchargement. C'est l'arme principale d'Irak, son moyen de pression. Bah dis donc, vu le pourcentage où ça va. Oh, dis-moi qu'il va y avoir un raccourci parce que sinon... Oui, il y a un raccourci. Oh sa mère, te voilà toi. Crispy. Non, qu'est-ce que je raconte? Pierce, c'est ça? Toi c'est Pierce. C'est le désenchère. Irak, c'est toi qui me pourris la vie, connard. Parce que ça fait pas semblant en ce moment. Moi je te le dis. Bah, tire, Pierce. Suivez Irak. Bon bah on y est. Tu veux me chercher la merde, c'est ça? Tu rentres chez moi et tu veux voler mes trucs? Tu sais qui fous, bâtard? Tu sais? Allez, viens. Un petit minable qui veut jouer au gangster. T'as tout faux. Et t'es la petite pute de Lucky Queen. Qu'est-ce que je fais? Je vais te renvoyer chez toi, tu vas voir. Mais pendant la seule morceau, hein. Et quand j'en aurai fini avec toi, je m'occuperai de ta famille. T'as une famille de gosses, des frères et des sœurs. Tu te fous bien, tu te fous bien. Bâtard. Bah, t'as déjà tué ma nièce, connard. Con. C'est con. Bon. Ouais, ça a l'air d'être long comme... Putain, ils ont eu Jordi.
Non, tu déconnes. Démobiliser avec les honneurs. Ok. Quitter aussi Freeman. Ok, je sens que ça va sentir le... Ah bah non, mission accomplie, c'est bon. Waouh. Trop d'XP, trop d'XP, sérieux. Bon. Non, je pense pas. Mais tu progresses au moins? Je sais ce que je fais. J'ai pas besoin de t'avoir sur le dos. Oh, je crois que si. On a toujours mieux bossé en équipe, et tu le sais. C'est pour une faiblesse de l'admettre. Sois honnête. Sans moi, t'aurais pas les données. Et tu les as, pas vrai? Ouais, j'ai tout. Maintenant, libère Nikki. Bah voilà, je savais que tu y arriverais. Tu vois, on a réussi. Amène-les-moi où? Donc, de toute façon, on a des données, on peut les copier, je veux dire... Les données, ça se copie. Bon. Mais question con, ils ont eu Jordi ou... Ou ils l'ont juste... Ouais, je vais prendre ça. Sors de là.
D'accord. Donc oui, ma réputation, je l'ai remise au maximum également, hein, avec les... Toujours pareil, des trucs de... Vous savez, des scènes de crime, là. Voilà. Et puis pareil, dans... quand je me balade dans les rues, parfois il m'arrive comment, de tomber sur des tueurs, mais vous savez, hors crime de série... hors scène de crime. Déjà, associer miracle à la technologie, c'est une connerie. Bon, enfin bon. Si on commence à sacraliser la technologie, on est dans la merde. De toute façon, déjà, avoir une technologie centralisée qui centralise absolument tout, ça, c'est la pire des conneries. On peut parler encore de ça si vous voulez. Pourquoi c'est dit... Donc je vous avais déjà dit, hein, l'exemple d'Internet. Qu'est-ce qui fait qu'Internet est insaisissable? C'est le fait qu'il soit décentralisé. Il n'y a pas de point central à Internet. Et surtout, Internet est bête. Internet n'a pas d'intelligence en lui-même. C'est juste un réseau de routeurs qui transite des paquets. Et toute l'intelligence se trouve en périphérie sur Internet. Ça veut dire que ce sont des serveurs... qui ont l'intelligence. Un serveur, il y a des serveurs et des clients. Et par exemple, vos PC, généralement, ce sont des PC clients et c'est eux qui possèdent de l'intelligence. Mais le réseau en lui-même, il n'est pas intelligent. Tout ce qu'il fait, c'est un petit peu le rôle de la poste. La poste, comment le rôle de la poste, c'est de prendre votre courrier et de l'envoyer là où vous l'avez demandé. Voilà, ça c'est la poste. Ben, Internet c'est exactement pareil. Ça ne fait rien d'autre que faire transiter les données que vous envoyez et que vous voulez recevoir. Dès que vous avez un réseau qui devient intelligent... Alors déjà, Internet en lui-même, et c'est ça qui est bizarre avec les histoires qu'il y a eu avec la NASA, vous savez, les trucs comme ça, les écoutes, c'est que normalement, Internet a été codé de façon à ce que... Enfin, codé, c'est un bien grand mot, hein. Mais il a été développé dans le sens où s'il fait autre chose que ce que je viens de dire, ça veut dire transiter des paquets, dès qu'il fait autre chose, normalement, c'est une erreur. Pour lui, c'est une erreur. Donc, c'est bizarre que les administrateurs réseau ne se soient pas aperçus plus tôt. Parce qu'il y a des administrateurs réseau, hein, qui surveillent Internet très très souvent. Et c'est bizarre qu'ils ne se soient pas aperçus que ben il y avait des choses bizarres sur Internet, des erreurs, des messages d'alerte, des trucs comme ça. Enfin bref. Et donc je disais le fait qu'Internet soit décentralisé, c'est ce qui est insaisissable. Or là, dans notre exemple, dans le jeu vidéo, le CTOS, c'est vraiment quelque chose qui a l'air centralisé. C'est vraiment un système centralisé. Et vu que c'est un système centralisé qui est connecté à tout, ça veut dire les téléphones, la circulation. Merci le camion qui passe dans la rue. La circulation, qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme exemple? Reconnaissance faciale, les réseaux sociaux, tous ces trucs-là. Évidemment, vu que c'est centralisé, si on pirate un truc dans un truc centralisé, on a pratiquement accès à tout.
Voilà. Alors que par exemple sur internet, par exemple, si admettons vous piratez mon serveur, admettons, vous êtes un gros pirate, vous avez réussi à pirater mon serveur, vous ne pourrez pirater que mon serveur. Vous n'aurez pas la possibilité de pirater tout internet. C'est pas possible. Voilà. Voilà l'idée. Donc c'est pour ça que le jeu en lui-même, techniquement, il est honnête. Parce que dans l'idée où il y a un système centralisé qui centralise tout, dans ce cas, tout devient piratable. C'est évident. Et vu qu'apparemment le truc a été codé avec les pieds, ils auraient fait mieux fait de m'appeler. Non, je rigole. Mais voilà. Acte 4. Quelqu'un s'infiltre. Oh, oh. Ben allons voir ça. Allez, c'est parti. Hey, t'as vu ça? Bon boulot, non? Aiden, y a tellement de trucs. Y a plus qu'à passer toutes ces infos au PNF. Ouais, bah t'as de la veine. Parce que dans ce merdier, les noms, c'est pas ce qui manque. Et ils sont tous liés à des trucs illégaux. Club, des manias de la finance, et à même des notables bien sous tout rapport. Irak voulait faire chanter toute la ville. Hé, hey, attends, c'est quoi ça? Ça vient du serveur? Merde, quelqu'un essaie de moquer. Putain, c'est qui arrive. On perd tout. Allez, mec-toi. Qu'est-ce qu'on doit faire? Remonte son signal. Si on localise la source, on peut bloquer son accès. Allez, roule-toi. Ok, d'accord. Oula, ok, ça va faire flipper ça. Désolé, alors les screamers, c'est pas moi, c'est le jeu, hein. On est d'accord. Par contre, ça va rapidement me casser les rouleaux, ça. Bordel de merde, tu envoies des séries de malware. Ok. Je sais ce que tu as fait, Clara. J'en sais rien. Play me. Je vais le lire. Non. C'était pas trop difficile de les retrouver. Deux hommes, un hacker, un fixeur. Enfin, on dirait. J'ai jamais entendu parler d'eux. Je peux t'expliquer. Je voulais te le dire. Pareil. Laurent, je vous prie. Qu'est-ce qui va leur arriver? Depuis quand ça vous intéresse? Le tarif est plutôt convenable. On était d'accord. Aiden, quelqu'un s'infiltre. Clara. Aiden, il essaie de tout effacer. J'en étais sûr. Faut le dégager, et vite. Aiden, mais débranchez le cabergie, bande de cons. Voilà. Enlever un commutateur. Ça marche mieux, non? Préparez-vous, je coupe la lime. Bah voilà, ça c'est une solution. Qui a donné l'ordre?
pensais que t'avais coupé la lime. Donc on a viré Clara. Ok, encore des points de... Des points de compétences qu'on va... Bon. C'est une question con. Résultat, si je prends des véhicules, il est là l'autre ou pas? Ouais, bah, il répond toujours. C'est que c'est qu'il doit être là. Je sais pas, on demanderait à Jordi de prendre son sniper et là au rendez-vous de l'autre là on lui colle une balle en travers la tête. Merci, au revoir. Ah oui mais non, il a des informations que, dont on a besoin. Donc j'ai rien dit. Allez. On va aller voir ce qui se passe. Oula, oula là. Ok, passer une certaine vitesse, ça rame un petit peu là. Attendez. Pourtant j'ai rien qui tourne derrière. J'ai coupé mon encodeur de vidéo. Allez. Boum. Purée. Ah, on connaît ici. Hey. Aux yeux de tous. Bon.
sont nombreux, hein. Vas-y, rapproche-toi, je fais péter l'autre. Allez, viens là, que je te fasse péter. Y'a plus rien qui peut te sauver maintenant. Bon, écoutez, de toute façon, il y a des sauvegardes automatiques. Moi, je vous propose, c'est qu'on regarde, le temps qu'il arrive, aux compétences. Je vais les développer en combat. Je voudrais voir si je peux c'est développer... D'accord, il faut que j'ai 5, il faut que je fasse 5 planques de gang pour débloquer ce truc là, ok. C'est quoi ça? Améliore la cadence de tir des pistolets automatiques, mais je me sers pas des pistolets automatiques. Sprint, ah oui, le sprint furtif, ça m'intéressait. Ok. Épreuves d'échec. Ok, bon, admettons. Hop, je vais prendre ça. Ça, c'est les trucs pour avoir plus d'explosifs. Ouais. On va prendre ça. Ça. Encore une fois. Allez, on va prendre. Il reste 3 points. Et ça, c'est quoi? Oh putain, la possibilité de neutraliser les mastodontes. Alors moi je les appelle les mastodontes, mais oui, ce sont des exécuteurs dans le jeu qu'ils s'appellent. Il me reste de quoi... Oh allez, hélico, un de plus, allez. Bon, je vais y aller. Je vais y aller parce que sinon il arrivera jamais là. Je sais pas où il est. D'accord, en plus il m'est arrivé dans le dos, résultat il devait faire tout le tour. Allez. Ouais, y a rien sur les bureaux que je puisse qui puisse m'intéresser. Non. Allez. Ok, il y a du cash. Bon, je vais enregistrer... J'ai pas hyper compris. Ça marche? Ok. Bon, je vais enregistrer mon testament comme aux Aérac. Faut que je puisse laisser quelque chose derrière moi si jamais... Vous voyez quoi? Alors, le truc c'est...
Bon. Ici n'est que dalle. Et je vais vous mettre le couac, je dois faire une toute petite ellipse.